قام صباح اليوم رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مصطفى السيسي بزيارة إلى مقر غرفة الفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب، حيث استقبله رئيس الغرفة الذي أطلعه على ما تم إنجازه من مشاريع فلاحية بالجهة وكذا المؤهلة الطبيعية التي تتوفر عليها. Mon collègue parce que je suis doublement ou triplement président du Parlement, mais président d'une chambre de commerce d'industrie d'agriculture au Sénégal, chargé des relations au niveau national des institutions et vice-président de l'Assemblée nationale. Donc quand je viens ici, je dois visiter la chambre de commerce d'industrie et services et la chambre d'agriculture pour échanger des perspectives de coopération que nous pouvons nouer ensemble. J'ai rencontré mon collègue, nous avons échangé et je vais visiter une ferme agricole ici. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'au Sénégal, son Excellence le président Macky Sall a mis en place un dispositif de développement, le plan Sénégal émergent, qui a comme locomotive l'agriculture. J'ai eu la chance d'être représentant du peuple, mais président d'une chambre d'industrie et d'agriculture, je ne pourrais pas me passer de cette opportunité pour échanger avec mon collègue quand on parle de coopération sud-sud, des relations que nous pouvons nouer. C'est un bon moment qu'on reçoit notre collègue qui vient nous visiter ici à la chambre. Et c'est vrai, cette rencontre, c'était très riche. Autant que notre président de la Chambre de commerce et le président du Parlement qui nous visitait, c'est un nouveau plaisir. Et c'est vrai, il y avait une discussion très riche pour l'échange d'expertise entre la Chambre d'agriculture de la région de Dakhla et la Chambre de commerce de Sénégal. Et aussi, vous savez que notre modèle type ou la stratégie qui a préconisé le Royaume Maroc au titre de le plan Maroc vert, c'est cette stratégie-là. On va la réexporter pour nos collègues africains à l'intention qu'on réalise un développement très remarquable. هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس برلمان مجموعة دول السيدياو إلى مقر الغرفة الفلاحية لجهة الداخلة وادي الذهب، زيارة لن تكون الأخيرة بحسب الرئيس.